vous le savez, les malfrats de la voie corélienne doivent un paquet de crédit au gang de la tempête hurlante. Donc, je suis censé jouer les pirates qui ont une dent contre les Lames Nova. Nous tenons de sources sûres que le quartier général des Lames Nova est une épave, l'agresseur. Sérieusement, il ne faut pas prendre les habitants de cette planète à la légère. Les Lames Nova sont notamment un groupe puissant et organisé. Ils font sauter mes stocks, tuent mes soldats et enlèvent mes ouvriers. Quand comptez-vous intervenir? Ceci n'est pas notre problème, mais le vôtre. Revan. Oh oh. Contre-amiral Margok, menaceriez-vous de modifier les termes de notre accord? Je vous ai payé pour une tâche que vous avez menée à bien. Je n'ai désormais plus besoin de vos Lames Nova. Ah! Je sais que Torches et Sacri de Mandalorian nous ont quittés, mais les Lames ont encore du potentiel! Pas si vous êtes incapable de maintenir la discipline dans vos rangs. Réprimez la dissidence, et j'envisagerai peut-être de prolonger notre alliance. Ma sœur est revenue de la cantina, enfin de son expérience méditative. Salut! Salut! Comment vas-tu, Oregana? T'es bien amusé avec ton petit chien-chien? Pas voilà, c'est ma réponse. Ah d'accord. la solution méditative est... t'a rendu sage et silencieuse, c'est bien. Voilà, ça y est ma réponse. Oh là 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 là, ça augure bien pour le reste. Bon, exactement. Alors... Vie privée ne regarde que moi. Bah, d'accord. Donc je te rappelle que cette chère Lana nous a donné comme instruction d'attaquer l'agresseur, qui est le navire amiral des Lames Nova. Mais pour cela, il nous faut des décodeurs, qui sont cachés dans les tours. Les tours des Lames Nova, évidemment, qui sont un peu partout dans le paysage de jungle à l'ouest d'ici. Voilà. Bon, bah... Je vous propose qu'on prenne une navette directe. Hein. Une navette directe, carrément. Comme ça, ouais, carrément. Et qu'on aille au dépôt commercial des Lames Nova, qui est pas loin de leur camp, ça tombe bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah. Si tu veux. Bah, je vois que tu vas directement, c'est beau. Même pas besoin que je te conseille. Hein. Tu viens de me dire qu'il fallait qu'on y aille. Bah, moi, bête, disciplinée, on y va. Bah oui, bah, je me disais peut-être qu'il faut que je lui montre que c'est sur la carte ici, tout ça. Parce que bon, Non, parce que tu vas me sortir ta science et tout, et puis j'ai pas envie. Ah d'accord. Bon. Donc voilà. Ça va pas plus loin que ça. Alors, faut-il qu'on aille? Ah oui, c'est loin. Oh là. Bon ben, je crois qu'il va falloir speedifier alors. On va speedifier nos petites fesses. Voilà. Ouais. Non? Si. Oh bah, tu vois, tu es d'accord avec moi. Tu es toujours d'accord avec moi d'ailleurs. Ouais, on va dire ça comme ça. Et puis même t'attires des gens, un crabe. Non, rien du tout. Un crabe géant côtier du sud. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah tu le prends, tu le mets dans une bouilloire, tu fais ébouillanter le pauvre crabe, et tu manges sa bonne petite chair après, avec une bonne sauce. Ah ouais. Oh, regarde. Bah oui, les cristaux. C'est beau, ah, non? C'est beau. J'étais sûr que t'allais dire c'est beau, je sais pas pourquoi. Ah, c'est beau. C'est une intuition. Ah, c'est beau. Par contre, on va à l'ouest ou au sud? Au sud, allez. Là, on va. Ah, sympa, il y a même un petit chemin caché, là. Oui, ben, prenons notre tien. Ah, c'est la première, on sait jamais. Ouais, bah oui. Oh. En plus, j'ai un gros speeder rouge, donc ça va attirer les... Oula, je sais pas où on va, mais je pense pas que c'est la bonne direction aussi. Ah, si, c'est bon, on peut aller par là aussi. On est un peu sous l'eau, là, mais bon... Oui, oui, en fait, tu me fais prendre une mauvaise direction avec ton petit chemin caché. Tu allais bien te laver un peu dans l'eau du lac. Ah bah tiens, moi je vais prendre du vert. Là. Du vert? Ah oui, après le rouge, je me dis qu'il me faut du vert, quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton rouge et ton vert? Du jaune? Je sais pas. Mélanger le rouge et le vert, ça va être du sucre jaune, non? Je sais pas. Bah si. Je le dis, moi. Je sais pas. Ouais, mais enfin bon.
Entre ce que tu dis et ce qui... Ah, il y a un truc là qui est plutôt rose pâle. T'as vu ? Mauve. Ah ouais, c'est joli. D'ailleurs, je vais profiter pour... Qu'est-ce que tu fais ? T'amuses ? Pas le droit ? Oh là 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 ! Comme si on avait que ça à faire. Pour montrer un peu à ces créatures, ces chasseurs de rivière là, Skalkra ou Skalkra, je sais pas. Que nous sommes les plus fortes. Ah oui, quand même, ça se voit que nous sommes. Oui. Que nous sommes fortes. Oui, très fortes. En ce moment, la force est très développée. Hein. Je crois que c'est par là. Il me semble que je vois un truc là, regarde. Non, mais tu vas en arrière là. Mais il y a un truc là, regarde. Un truc là, regarde. Tu peux pas te dire. Ah, une tour, ben voilà, fallait le dire, un truc là. Je vois une tour, voilà. Bon, on les prend en embuscade. Coucou. Bon, je te laisse faire, hein, t'es la plus puissante de nous deux. Oh, c'est beau ça. Bon, je dis ça, mais j'y vais quand même. Hein. Ouais, je me dis aussi de pas me laisser tranquille. Madame, il faut qu'elle participe. Bah, bien sûr. Bon, tu dis à Jacarad ou Jacassa ou je sais pas comment on s'appelle. Tiens. Jacara, ouais, ça le. Pour bombarder la tour, attention, tu vas te prendre. Oh là, oh là, oh là, oh là, tu calmes. Bah voilà. Merci Jacara. Et maintenant, je sais pas qui s'appelle comme ça, Jacara, ou qui. Bon, allez, je récupère le module. Voilà. T'as besoin du module toi aussi, hein, non? Bah, bien sûr, je le savais. Bah, évidemment, ça se voit. Quand ton regard tellement intelligent. Fais gaffe. Ah mais attends, je te fais un compliment. T'as vu comment tu l'as fait ton compliment T'as vu, c'est l'ordre des Eisenhorn qui contrôle le Richie. Amusant, non? Oui. Non. Ce sont des gens de la République, il faudrait les écraser. Ah, regarde, une toute tour ici. Une toute tour. Les écraser. Bah, oh, oui. Bah t'as carrément, tu vas les écraser. Allez, hop. Bah, ils sont de la République, vous allez les écraser, non? On va faire voir qui est le meilleur. Bah, pour l'instant, c'est eux. Je voudrais pas dire, mais bon. Mais non, mais je parle pas de juste une organisation, je parle de l'Empire ou de la République. Toi qui veux être la meilleure partout, qu'est-ce que t'attends pour leur prendre la planète hein. Qu'est-ce que tu peux être grossière? Je t'ai habitué à un vocabulaire beaucoup plus précieux de ta part. Mm-hmm. Oh, regarde! Les chasseurs de l'âme Nova. Ah bah il m'a assommé. Le vilain. Oh, tu es gentil. Je vais te parler, tiens, voilà. Non mais oh. Ouais, j'avais même pas fait attention que nous avions un petit bonus à faire en plus. Tuer quelques personnes en plus de retrouver les modules. Donc... Bah évidemment. Nous avons toujours des petits contrats comme ça pour tuer les mercenaires qui nous ennuient. Ah, c'est parfait, parfait. Tu vois, tu te plains plus d'un seul coup. Non, d'un coup, non, là, je me plains plus. Il y a plus plein de crédits en plus, on va pas t'en plus gêner, hein. Ouais, non, je vais pas cracher dessus, hein. En marque, j'ai comme Crésus. Hein, je suis pas riche comme Crésus, moi, que tu racontes. Je sais pas, moi, j'ai cru comprendre que tu es riche comme Crésus. Ah, tiens, regarde, il y a une tour. Ta famille, en tout cas, est riche comme Crésus. Ma famille? Oui. Alors, non, nous sommes là pour. Faire respecter la loi de l'Empire, hein. Ah bah ils sont déjà tous morts. Ah bah oui. Oh là là, quelle bande de là. De toute façon tu vas me dire ils me voient, ils ont peur, ils sont morts. C'est sûr qu'en voyant ton visage, ils meurent d'apoplexie, crise cardiaque, pof, terminé. Ah bah c'est obligé. Surtout quand ils voient ton chien-chien là, avec sa tête. Mon chien-chien avec sa tête, tu permets là? Je parle de Xanek, oui, c'est un bon petit chien-chien. Connecter les modules de décodage au panneau. Alors il est où ce panneau? Au nord. Au nord. Allons au nord, alors. Alors au nord. Ah oui, peut-être tuer quelques-uns au passage quand même, pour le plaisir. Bah oui, pour le plaisir. Tiens, regarde ces deux-là, là, qui sont à rien faire. C'est vrai qu'ils avaient l'air vraiment d'être de gros fainéants, quoi. Hein. Enfin, de gros fainéants, plutôt. Ah, tiens, regarde, encore là, il fait quoi? Il est dans l'eau, là. Bah, ils sont en train de pêcher, j'ai l'impression, pour leur petit déjeuner, ou leur déjeuner, ou leur dîner. Oui, et ben, voilà. Pour leur déjeuner, dîner ou petit déjeuner. Yeah. Résultat, ils meurent. Ouais. Alors, le contrat était de combien? Chouette. Le contrat était de...
Bof. Non, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Non, mais par contre. Oui, par contre, oui, on a bien, bien explosé notre réserve de force, c'est sûr. Bah oui, là. Voyons voir. Le panneau, il est là, je le répare. Ah. Tu sais comment réparer un panneau? J'ai besoin de toi, n'importe bon, quoi. Allez, laisse-moi faire mes petits doigts. Alors, voyons. Comment ça se passe? Le petit fusible ici, un petit bouton appuyé là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Regarde ce qu'il fait. J'y suis enfin. Bon travail. Et maintenant, voyons où Margot cache tous ses secrets. Vous, espèce de maudit pirate bon à rien. T'adores les secrets? Ouais, parce qu'après on peut faire du chantage. Alors donc, on est espèce de maudit pirate bon à rien, nous, hein, c'est ça? Ouais. Le gang de la tempête hurlante était un leurre. Il n'a jamais existé. Vous allez bientôt regretter de ne pas avoir affaire à une bande de pillards ordinaires. Oh, ça oui. Voir. Mes ancêtres ont fondé la crique des pillards. C'est mon île et je la garde. Mais bien sûr. Plus maintenant, en fait. Allons, montrez-moi ce dont vous êtes capable. Au final, vous ne vous en sortirez pas vivante. Mm-hmm. Alors comme ça, vous avez détruit notre couverture. Heureusement, je peux brouiller les communications externes de l'agresseur. C'est d'ailleurs à peu près tout ce que je peux faire pour l'instant. Ils ont des pirates qui s'occupent en ce moment même de la sécurité du réseau. Je ne peux rien faire tant qu'ils sont connectés. Je m'en occupe. Je n'en doute pas. C'est vrai que t'as un peu bouillé la couverture. Hein. Bon. Attends, j'allais pas m'écraser devant lui, quoi. Non, je pense pas non plus, mais... Enfin, allez. Ouais, alors qu'est-ce qu'on prend? Oh! Ah, ma force a augmenté et je me sens plus puissante. Ah bah toi aussi d'ailleurs. Pfff. Qu'est-ce que tu crois? Que j'allais être en dessous de toi? Ah bah évidemment, faut que je te rejoigne. Ah, tu voulais faire la merde peut-être? Non, non, pas du tout, non. Oh non, pitié. De quoi? Bon, on est dans l'agresseur là. Dans les entrailles de l'ennemi. Dans la gueule du loup. Oh oui, tuons tout ça, oh oui. J'adore la gueule du loup. Oh oui, regarde. Mords-moi le loup, mords-moi. On a plein de petits bonus. Ah bon? C'est bon ça. Bah moi j'ai pas, moi. Ah bon? Bah non, les contrats sont pas arrivés jusqu'à moi. Et hop. Et là, le petit bonus, tu l'as pas eu? Non plus. Oh... Dommage. Hey, t'es aveuglé. Oh, que c'est beau, t'es aveuglé. Je sens que tu te fiches de moi, ma soeur. Oh, bien sûr, tout de suite les grands mots. Bah, évidemment, je suis obligé d'utiliser des grands mots parce que je suis grande. Au moins par l'esprit. Imbécile. Ah oui. Tiens, pour la peine. Évidemment. C'est pas possible. Bah, je t'ai dit, il me voit, pof, il tombe, hein. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. J'avais pas encore compris. Bah non. Mais en même temps, quand tu me vois, t'as peur. Bah moi j'ai pas peur donc. Ah bon? Bah, j'ai jamais eu peur de toi, hein. Ah alors oui. Jamais. Pourtant, je t'ai battu plus d'une fois, hein. Surtout dans tes rêves. Mais oh, tiens, regarde. Allez. Pirate informatique. On va lui envoyer un petit virus foudroyant. Très foudroyant. Bon ben, je te laisse faire tes petites affaires, hein. Ben oui. Ben et là, tu fais rien, là. Ok, quoi? Là. Voilà. Bah non, tu connais rien, tu sais bien, hein, je suis pas très intelligente. C'est vrai, c'est vrai. C'est toi le cerveau de l'affaire. Tout à fait. Alors attends, où devons-nous aller? J'ai encore quelque chose par là. Mais je te suis parce que malheureusement je n'ai pas les contrats. Ah mais non, on peut pas aller par là. Je n'ai pas les plans non plus, c'est toi qui les as. Évidemment, si je te laisse les plans, on est mal. Très mal. Bon bah ça doit être de l'autre côté alors. Sans doute. Ou alors c'est les miens, mais comme je suis pas dans ma phase. Ah c'est ça, ça doit être voilà. Les tiens. Voilà, ouais. Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Surtout allons très vite. Voilà, allez. Et j'ai des super pouvoirs que je peux même pas utiliser parce que ils sont déjà morts. Regarde la preuve, eux aussi vont mourir très vite.
Non mais c'est pas normal quoi. Bah oui mais on est tellement nombreux. Ouais mais bon, j'aimerais bien un peu les utiliser quoi, mes super pouvoirs. Bah utiliser. Je peux pas. Bah attaque la première alors. Ah voilà. Où tu vas? Ah, mes petites affaires comme tu dis si bien. Ah oui. Oh regarde, il y a un monsieur là. Ah oui, il est gros en plus. C'est pas un monsieur, c'est même un... C'est, un... c'est une bête. Je te laisse faire, hein. Pendant ce temps-là, moi, je... Hop. Ah bah voilà, tu l'as dit, tu pouvoir, tu vois. Ah ouais, c'est trop. Déjà. Bah, y a pas plus de résister, tu es tellement puissante. Puissante, de chez puissante. Ah oui, y a... Aimez-moi, appelez-moi puissante. Tu l'as submergé de ta force immense et prodigieuse. Bientôt, j'aurai toutes les planètes et tout. Bon, bon. Excuse-moi, je reviens dans un langage un peu moins châtié. Oui, oui, franchement, là, après tu dis que c'est moi, hein, mais... Mais je prends exemple sur ceux qui sont les plus forts. Oui. Ah tiens, c'est du monde. Eh bien... Ouh. Eh ben, même tes petits contrats, ils me... Je m'agrée beaucoup parce que je gagne énormément. Ah, tu veux dire que je bosse pour toi, quoi. Eh ouais. Il va falloir que tu viennes m'accompagner tout à l'heure aussi, donc. Si tu veux gagner quelque chose. Oui, oui, bon, on va venir te chercher, t'inquiète pas, je vais oser. De quoi tu parles? Tu me dis, venez me chercher si je veux oser. Comme si moi j'avais peur, quoi. Ah, tu parles du chef des pirates de l'âme Nova? Ah ouais, bah oui. Il croit que j'ai peur de lui. Bien, bon bah. Moi, avoir peur de quelqu'un? Bah oui, t'as peur de moi généralement. Quand je suis dans ton dos, tu as peur de moi. Tu sais pas ce que je vais faire. Non, je sais pas. Tu as fait ton petit pirate informatique? Bah écoute, il a qu'à pas être pirate et puis il a qu'à pas. Pirate informatique aussi. Bah. Donc c'est tout. Bon. Ah. Qu'arrive-t-il? Il faut qu'on aille confronter Margot. Margot? Margot. Non, mais il a un nom ridicule, donc on va le confronter, mais il va s'enfuir en courant devant nous, il va se mettre à genoux, il va pleurer sa maman. C'est tout. Pleurer sa maman. Enfin, il va pleurer pour réclamer sa mère qu'il a mis au monde. T'en sais rien, hein. Elle l'a peut-être adopté, hein. C'est possible, ouais. De toute façon, ce résidu de fausse couche aura ce qu'il mérite. Ce résidu de fausse couche. Ah ah, bon. Bah vas-y. Ah bah. Je t'accompagne. Bah vas-y, accompagne-moi. Regarde mon travail. C'est mon vaisseau. Vous croyez que vous pouvez entrer et rester en vie? Oui. Oh, joli! Ah, t'as vu ça un peu? Ah ouais. Non, mais... Non, j'avoue, là, t'es impressionnante quand tu... Ah ouais, hein, t'as vu? Oui. Tu pars tout le monde, là. Ouh, là. Ah oui! C'est malin! Alors que je te finis un peu, alors, si je comprends bien. Évidemment, si tu restes dans la zone d'effet... Non, je suis pas restée dans la zone d'effet, je suis partie, mais... Oh, c'est beau de te soigner, je sens que je te sauve la vie à chaque fois. Bon, ça va, on en fait peut-être pas trop non plus, hein. Ah, disons, pour un pirate capitaine, pas terrible quand même, hein. C'est pas terrible, mais quand même, il faisait mal, hein. Heureusement que j'étais là pour te soigner, sinon tu y passais, ma chère sœur. Oui, ça, c'est ce que j'ai laissé croire. Téron, vous me recevez? 5 sur 5, j'y suis. Accès complet. C'est le type d'avantage qu'on ne pourrait jamais obtenir sans vous. Il faut garder cet avantage. Si les Revanites en ont terminé avec les lames Nova, comme l'a dit Revan, ils sont sûrement passés à l'étape suivante de leur plan. On peut dire tout ce qu'on veut au sujet de Revan. Il n'a jamais été un Sith aussi puissant que je le suis aujourd'hui. Il ne s'agit pas uniquement de Revan, mais de tous ses co-conspirateurs. Modestie, on ignore combien de membres de l'Empire et de la République ma sœur. Sont les ficelles pour lui. Oh, extraordinaire. Pendant que Terron récupère les données, je vous suggère de vous mettre en route pour la crique des pillards.
Avec un peu de chance, il aura trouvé quelque chose d'ici là. Oui. Bon. Bah, allons-y alors. Absolument. Je te suis, après tout, c'est toi qui as pris le contrat en main. Alors, la sortie. Que je me trompe pas. Parce que... Ah oui, moi je te suis. Hein. Moi, je, avec ton je sens de l'orientation. Le... Ouais, voilà. Et tu as fort développé, toi, de ton côté. Oh, regarde, on est sorti. On est sorti. C'est beau. Pas pour ça.